Le mariage pour tous, comme on sait, concerne les personnes homosexuelles. Il me semble, quand on parle de personnes homosexuelles et du mariage pour tous, il faut considérer d'abord la grande souffrance des personnes homosexuelles. Cette souffrance vient du simple fait qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne peuvent pas fonder une famille avec des enfants issus d'eux-mêmes. Ça, c'est la réalité, et je crois que c'est difficile. En plus de la difficulté qui vient du regard qu'on peut poser sur les personnes homosexuelles, en plus, il y a une difficulté objective qui est lourde à porter. Alors, je ne crois pas que rendre service à ces personnes, c'est de leur donner le titre de mariage, parce que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Je crois que aider les personnes, c'est les aider à voir la vérité et les respecter dans leur vérité. Voilà. La société mauricienne aujourd'hui, il me semble qu'il y a des symptômes, d'un certain désarroi, dans le sens où, si vous regardez la prolifération de la drogue, de la violence, tous ces fléaux-là. Ce n'est pas seulement des personnes qui sont méchantes, ça. C'est des personnes qui souffrent. Quelqu'un ne consomme pas de la drogue par plaisir, vous savez. Peut-être que certains ont voulu essayer et puis ils se sont fait prendre. Ça arrive, ça. Mais la plupart du temps, c'est des vendeurs de drogue, des trafiquants qui vont chercher des clients avec un marketing agressif qui est criminel. Alors, c'est vraiment triste de voir ça, que des gens cherchent à faire de l'argent sur la souffrance des autres. Parce que les toxicomanes souffrent beaucoup. Ce qu'on rencontre, c'est terrible. Et leur famille souffre encore plus. C'est vraiment terrible. Mais je crois qu'il faut, et nous avons une grande responsabilité, de nous atteler à la prévention. Il ne suffit pas de réprimer ceux qui consomment de la drogue. Il faut faire un grand travail de prévention. Et la prévention, ce n'est pas seulement faire des discours pour dire que la drogue entraîne ci, entraîne ça, et de donner des informations. C'est utile. Mais je crois que quand des jeunes sont respectés dans ce qu'ils sont dans leur famille, et s'ils ont des familles brisées ou des familles qui ne sont pas capables, dans des différents foyers, différents centres, c'est très important d'encadrer des jeunes et de leur donner confiance en eux-mêmes. Quand ils ont confiance en eux-mêmes, et quand ils se sentent aimés, soutenus, ils seront beaucoup plus forts pour résister à la drogue. Beaucoup, beaucoup plus forts. Alors, nous avons une grande responsabilité par rapport à cette prévention. Et aussi, je dirais, aux efforts de la réhabilitation. Comme vous savez, nous avons quelques centres qui s'occupent de la réhabilitation, comme le CATR à Terre Rouge, comme le Centre de Solitude. Parce que, même si quelquefois, ça ne donne pas des résultats 100%, vous savez, ces centres-là, ce n'est pas 100%, hein, mais ça donne quand même quelques résultats. Les personnes qui sont réhabilitées, ce sont les meilleurs agents d'une vraie prévention. Ce sont les meilleurs agents, parce qu'ils connaissent le milieu, ils connaissent la souffrance, ils savent parler à des jeunes, et ils savent aussi consoler les parents des drogués, des toxicomanes. Il y a une grande, grande souffrance ici. Je salue ici le travail que beaucoup d'associations comme la CASE A ou d'autres associations font pour soutenir ces parents-là. C'est terrible. C'est terrible. Il me semble, moi, que si on libéralise complètement la consommation du cannabis, le grand danger, c'est que des personnes qui s'habituent à cette drogue qu'on appelle « soft », cherche davantage de drogues dures par la suite. Mais ce qu'on pourrait faire, je crois, c'est de ne pas systématiquement
envoyer en prison des consommateurs. C'est les trafiquants qui doivent aller en prison. Mais les consommateurs, on devrait leur proposer des lieux où ils peuvent être réhabilités, qui ne soient pas la prison. S'ils ne veulent pas de ces lieux-là, il y en a peut-être qui ne veulent pas, hein, je ne sais pas, ça peut arriver. À ce moment-là, il faudrait chercher qu'est-ce qu'on fait. Mais il me semble aussi que ça coûterait moins d'argent à l'État et qu'on aurait moins de récidives. Un consommateur de drogue, quelquefois, qui a consommé très peu, il va en prison, mais il est entraîné à consommer davantage. Il n'est pas réhabilité. Vraiment, c'est triste à en mourir de voir des personnes qui ont commencé cette consommation, mais s'enferrer dedans.